Alors que le Cameroun est désormais sur la voie de la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, la SLECAF, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies rassure, la mise en place de cette zone offrira de réelles opportunités économiques et même sociales pour le pays. C'est le message qu'est venu porter Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la CEA auprès des autorités camerounaises. Pour l'économiste onusienne qui est en visite officielle au Cameroun, la mise en place de la SLECAF, loin d'être le coup de grâce aux petites et moyennes entreprises, est justement cette opportunité-là qui leur permettra de grandir à un rythme soutenu. Alors que la SLECAF devra officiellement être lancée en juin 2019 au Niger, la CEA dit souhaiter que le processus de ratification actuellement en cours au Cameroun puisse être accéléré afin que le pays soit parmi les pionniers qui lanceront la plus grande zone de libre-échange au monde avec à la clé un marché de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB cumulé supérieur à 3 400 milliards de dollars.